j'ai de suite pensé au père ou aux mamans qui, voilà, dont les enfants, à qui on allait apprendre que leur enfant avait été tué, quoi, de manière barbare. Et puis ensuite, eh bien, comme je suis leur aumônier, voilà, j'ai eu une pensée, j'ai dit un grand merci à toutes les forces de l'ordre. Et alors là, était inclus dedans aussi bien la police, la gendarmerie, les pompiers, à tous ceux qui sont intervenus avec professionnalisme, voilà, et efficacité. Une fois de plus, ils ont fait preuve, vous voyez, ils ont fait montre d'un grand professionnalisme, quoi, hein. Ils ont su faire ce qu'il fallait au bon moment pour éviter que ce soit encore pire. J'ai pensé à ces jeunes qui tuent en croyant remplir leur devoir, quoi. Une grande incompréhension, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un jeune de 20 ans, on nous disait 20, 25 ans, qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un jeune, dans son cœur, pour qu'il en arrive là, quoi? Quel a été son parcours? Quelles sont les déceptions de sa vie? Qui est-ce qu'il a embrigadé? Comment... Bon, on n'arrive pas là comme ça à tuer, tuer, tuer sans qu'il y ait un parcours. Voilà, c'est cette incompréhension-là qui m'a habité aussi une bonne partie de la nuit, quoi. Ma prière était un peu celle-ci, quoi. Je lui ai dit, Seigneur, toi qui es père, voilà, apporte ta tendresse à toutes ces familles endeuillées, quoi. Hein, et là, j'ai une pensée aussi pour Marie, parce que Marie qui a vu son fils mourir sur une croix, bon, je me suis dit que peut-être les mamans pourraient peut-être se tourner vers elle, quoi, hein, si elles, toutes les mamans qui ont perdu un fils ou une fille, quoi, voilà, elles pourraient se tourner vers Marie, qui a connu ça. Et puis Dieu, Seigneur, je lui ai demandé aussi qu'il envoie sa force à ceux et celles qui ont pour mission, de cette belle mission de service public, d'être les gardiens de la paix. Voilà, c'est un mot qui fait allusion bien sûr à la septième béatitude, hein, bienheureux les artisans de paix. Voilà, et donc tous ceux qui ont pour mission de service public, d'être gardiens de la paix.